Ouais, je suis en bas, mais le problème c'est que je suis avec Dorlys. Tu veux que je descende? Il y a une dame qui sort là, du coup je vais rentrer en essayant de ne pas faire rentrer Dorlys. T'inquiète. Veux-tu t'en aller? Ah bah, la dame n'a pas l'air d'aimer le chat non plus. J'ai l'impression que personne ne l'aime, Dorlys. Non plus, vous l'aimez pas le chat? Il faut pas qu'il rentre parce qu'il habite pas là et... Je suis mort. Vas-y, j'arrive, mec. Un chien qui parle très très mal là. Alors j'ai pas fini de déchiffrer le chien, mais je crois que t'es pas le bienvenu. Oh merde, je suis monté tout en haut pour rien. Eric? Ouais. T'es en haut ou t'es en bas? Ah, putain mec, je suis monté tout en haut et j'étais en mode taille, c'est pas là. Plus je te regarde et plus je me dis que j'aurais pas pu moins bien tomber. C'est pas une provocation en duel, ça? Je vais te faire des beaux plans. Oh non, non, non! Et voilà, tu m'as tellement déconcentré, gros! La montagne, elle m'a guiche, elle est là. Avec mes... Je sais plus ce qu'elle m'a raconté, elle a marqué avec ses monts en nez. Des problèmes de vue ou tu sais pas lire? Ah putain! Quoi? J'ai oublié un truc chez un pote. Bah va le chercher. Bah ouais mais... Ah oui c'est vrai, le couvre-feu. Bon, je suis actuellement là et je dois aller... Là. Bah ça peut pas attendre demain. Ouais mais c'est urgent. J'ai une idée. Ça va être mon laissez-passer. Quoi, tu vas te cacher dedans? Tu vas voir. E6842. C'est ça. Parfait, merci beaucoup. Regardez! Voilà. Merci. Bon appétit, bonne soirée. Bonne soirée également. Ouais, tu vas aller vite avec ça. Ouais, ça va, c'est pas mal. Pour ça va. Fait, non. Ça va, bref, attention. Ouais, je vais lentement. Vas-y, ouais, bonne soirée. Bon. Et vous, sur l'application, il y a marqué Emily. Vous faites pas trop Emily. Ouais, c'est vrai. Merci. Tiens. Merci beaucoup, c'est merci très gentil. Toi, bonne soirée à toi. Merci à toi. Bon appétit. T'as très bon enfant. Regarde, ouais, d'ailleurs, t'étais pas en train de filmer une autre mission de base, parce que là, je te vois livrer la nourriture depuis tout à l'heure, mais...
Mène-toi, pute. Allez, prends ton temps. Et normalement, on a donné à notre quelqu'un cette commande. Vous attendez une petite minute, il a appelé Ouvarit. Vous avez compris? Non. Parce que les autres restos, ils sont fermés normalement? Bah non, c'est le couvre-feu, tout le monde est censé. Les autres restos sont fermés. Hein. Ah ouais, tous? Ah ouais. On peut plus commander? Il a dit quoi? Je sais pas. Mais moi, je comprends. Je comprends pas depuis tout à l'heure, mec. On va voir si un sac de livraison nous permet de passer incognito. Eh ben, on a croisé une bonne brigade de bleus. La technique a l'air de marcher. Mission accomplie. Au final, je suis resté un peu joué et je dois rentrer toujours incognito. Ça va être une mission. Tada! Attends. C'est ça que tu devais récupérer d'urgence? Magnifique, n'est-ce pas? Toi, c'est pas des neurones que tu collectionnes. Très peu de générations auront eu comme la nôtre autant de défis ensemble. Cette pandémie historique, les crises internationales, le terrorisme, les divisions de la société et une crise économique et sociale sans précédent. Et ça, tu comptais m'en informer quand? Le virus circule en France à une vitesse que même les prévisions les plus pessimistes n'avaient pas anticipée. Hier, au moins 400 000 de nos compatriotes sont décédés du Covid-19. Un coup de frein brutal. Respecter les règles. J'ai décidé le confinement d'un jour sans fin. Merde, vous nous débordez.